à la délégation de la majorité présidentielle conduite par l'honorable Damaro, nous allons vous livrer lecture du communiqué qui sanctionne les entretiens entre le président de la République et les leaders de la majorité présidentielle. Monsieur le président de la République, chef de l'État, le professeur Alpha Condé, poursuivant ses consultations avec les forces vives du pays, notamment les partis politiques et regroupements de partis politiques, a reçu ce mardi 3 avril 2018 une délégation de la majorité présidentielle conduite par l'honorable Damaro Camara. Après des échanges francs et fructueux relatifs à la situation intérieure en général et à la crise post-électorale en particulier, il a été retenu ce qui suit. De privilégier le dialogue et la concertation pour régler toutes les divergences dans la vie politique nationale. De demander au comité de suivi de l'accord politique d'octobre 2016 de trouver une solution aux différends électoraux qui portent sur 6 communes urbaines et 6 communes rurales sur les 342 que compte le pays. Monsieur le Président de la République demande au comité de suivi de mettre en œuvre avec diligence l'accord politique d'octobre 2016, notamment l'adoption de la nouvelle loi sur la CENI à la prochaine session des lois de l'Assemblée nationale, l'audit et l'assainissement du fichier électoral avant les prochaines élections législatives. De tout mettre en œuvre pour identifier les différents responsables de toutes les violences qui ont entraîné mort d'hommes et causé d'importants dégâts matériels, qui qu'ils soient, afin de les traduire devant les cours et tribunaux du pays. D'apporter une assistance aux victimes et à leurs familles, nonobstant les indemnisations légales. La majorité présidentielle soutient sans embâche la condamnation par le président de la République des propos et comportements inconséquents de personnalités publiques et de citoyens, poussant à la haine et à la division entre les différentes communautés du pays. Ils en appellent à la justice pour l'application de la loi dans toute sa rigueur en la matière. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, professeur Alpha Condé et Elhadj Damaro Camara, chef de la délégation de la majorité présidentielle, déplorent toutes les victimes civiles et militaires des violences politiques et les nombreux et importants dégâts matériels et expriment leur compassion et leur solidarité à toutes les familles ayant perdu des proches, des êtres chers. Conakry, le 3 avril 2018, je vous remercie.